On les met à leur place, tu prends tous les avant et bim on ferme, allez c'est parti. Super, on regarde sa voile. Elle s'ouvre. Ok. À nouveau, on laisse la voile se stabiliser, les freins à leur place. Et cette fois-ci, on tire les avant jusqu'en claque sur les genoux. Ok. Allez, c'est parti quand tu veux. Super. Ok, t'as tout de suite sauté sur les freins. Pas de soucis. On prend le cap vers la carrière. Et maintenant, on fait une fermeture asymétrique de suspens sur toi. Donc là, tu fixes le frein. De l'autre côté, tu as le frein dans la main. Au niveau du pouillon, se maintient sur les élévateurs. Et là où on n'a pas de frein, on prend les deux suspens sur toi. Et on fait une fermeture comme une grande oreille. Super. Et tout de suite, on fait un demi-tour par la gauche. C'est l'aide plus commande. On se met face à Annecy. Ouais, comme ça, ça me va bien. Tu gardes ce cap, tu ouvres. Et à la foulée, à droite maintenant, on prend tous les avant. On fait une plus grosse fermeture. Allez, c'est parti. On s'accroche bien. Ok, garde ce cap. Je ne vais pas virer, garde ce cap. Et maintenant, on va essayer de se laisser un peu partir vers la droite. Garde toujours la fermeture, on monte ta main gauche. Au niveau de poulie, et laisse la voile tourner un peu. Accroche-toi bien. Attention, coco. Ok, t'as mis déjà du frein. Fléchis un peu les jambes. Et laisse la voile tourner un peu. Laisse la voile tourner comme ça. Laisse la voile tourner comme ça. T'as mis un peu de frein. Vas-y, on sort. On met un peu de frein. On met un peu de frein. Super. On garde ce cap. Et on laisse la fermeture. On vient vers l'atterrissage. On a quelqu'un maintenant? Allez, quelques wings à la sellette si tu veux. Voilà. Et boum, on change à fond. Reste là. Et à fond. Et à fond. Extérieur, plus extérieur en haut. Et à fond. Plus vite. Reste là. Et boum, le dernier. Super. Et on calme le jeu. Donc on a parti, on fait des grandes oreilles. Et pas plus à droite. Voilà. Garde ça, garde ça. Oh, ça c'est des grandes oreilles. Tout de suite à la sellette à gauche. Ok. Vas-y, on sort. T'as une petite cravate à droite, elle est sortie. On se remet face à la carrière cette fois-ci. Ouf. Ah, ok. D'accord. Donc il a pas beaucoup de force. Je vais essayer d'amener plus encore. Garde ça. Pousse l'accélérateur. Et garde toujours le cap à la sellette. Regarde, tu pousses trop. Ouais. Vas-y. Ok, une fois que tu as fait, tu relâches. Attention, tu vois, même quand tu pousses l'accélérateur, il faut que tu arrives quand même à garder un cap. Donc souvent, amène le haut du corps vers l'avant, ça peut-être. Et vas-y, relâche tout. Allez, c'est parti, je te laisse les faire les premiers, ok. Ça, c'était le premier, ok. Et quand tu montes, ok. Vas-y, le dernier. On avait dit 3 tangages tempo, ça veut dire on fait du tangage et on arrête le tangage. Maintenant l'idée c'est que tu freines trop peu et pas assez progressif. Vas-y, sur ce cap on refreine, vas-y, on freine, plus, Mao. Écoute-moi bien, on attend. Et maintenant je vais plus loin, Mao. Et j'attends pour la dernière fois, je freine maintenant, plus, Mao. Et tempo, et je relâche, et on fait un demi-tour. Garde ce cap, et je veux faire à nouveau 3 tendages encore plus grands, ok. Vas-y, on freine, plus loin, non. Ça c'était le premier, on attend, on regarde bien l'horizon, seulement l'horizon. Maintenant, je freine plus, non. Vas-y, un freinage plus progressif, ok, sinon tu casses l'énergie. Maintenant, non, et la tempo devant. Super. Maintenant, tu fais 3 tendages avec un virage dynamique sur ta droite, ok, c'est parti. Allez. Je te laisse faire les tangages. Regarde bien l'horizon. On sent qu'on monte, on freine progressive, ok. Super. On attend la dernière fois. Mao, on attend, on est patient, c'est l'autre. Et boum, la commande. Et on relâche. Super.
Là, tu te mets face à l'atterrissage, on met les mains en haut, sur les... au niveau de police, sur les élévateurs, et c'est parti, des wings à la sellette, ok? Allez, côté que tu veux. Et le premier, on change tout de suite. On regarde le bout d'aile, et on change tout de suite. Attention, cocon, je veux la fesse extérieure qui monte, et on change tout de suite. Tu regardes, et boum, d'un coup. Et boum, tu peux plus. Allez, mais tu veux pas plus. Et là, plus à gauche. Et plus à droite. Allez, la dernière. Et on sort. Un contre à droite. Super. C'est un Sylvain qui arrive avec. Et puis là où tu fermes, il faut bien prendre tous les avant le plus haut. Amène fort vers le bas et après on s'accroche au moins et on lâche pas. Et on laisse la voile tourner, tourner, tourner. Ok, pour s'habituer avec ça, pour voir oui, je vois tout autour de moi et après, progression, on va contrer. Allez, si tu es prêt, on fléchit les jambes et c'est parti. Dynamique en ferme. Allez, boum. Et amène vers le bas. Et on s'accroche au maillot. Accroche-toi bien au maillot et on regarde autour. Là, elle tourne, tu vois, elle est même pas si méchante cette voile. On tourne, on regarde autour, tu vois, décolle, hop, on contre, vas-y, on contre à droite. Main haut, et on attend. Et une fois sorti, on se remet face à la carrière, vas-y. À nouveau face à la carrière. Là, t'as lâché la fermeture, l'exercice, quand, c'est qu'on la garde, juste on ressort et on vole droit, ok? Donc il faut vraiment que tu gardes cette fermeture jusqu'au bout. Allez, à nouveau. Je te laisse refermer et tu t'accroches au maillon, tu lâches pas cette fermeture, fléchis tes jambes. Laisse comme ça, t'es dedans et maintenant on contre progressivement à droite, ça l'aide plus commande. Un peu plus commande, voilà, et on essaie de voler tout droit. Encore de la commande, voilà, on regarde devant et on essaie de garder ce cap. On garde ce cap, seulement après on lâche la fermeture. Allez, on lâche la fermeture. Super, on vient vers l'atterrissage. Très bien, Philippe. Très bien, tu peux viser l'atterrissage. Voilà, comme ça c'est bien. Et ce que tu aimes pas, on va faire. Trois tendages tempo, c'est parti. Allez, je veux que tu les fasses bien grands, main haut d'un coup. On regarde seulement devant, on attend. Là, on freine plus profond, main haut. Il faut aller plus progressif sur le freinage, ok? Là, je freine progressivement, main haut, et j'arrête la voile devant. Ok. On a un Sylvain en l'air, c'est ça? Affirmatif, Sylvain, avec la Sigma rouge qui arrive pour l'attaque. Ok, Sylvain, je te laisse t'avancer, vas-y, continue, Philippe, comme ça. Allez, plus à droite. On se laisse ta fesse extérieure, reste là, à gauche maintenant. On se laisse ta fesse extérieure, et à la dernière, à droite. On se laisse la fesse extérieure, et on arrête. Alors, un, on ferme dynamique. Super. Amène plus bas. Essaye d'amener un petit peu plus bas, secoue un peu. Cette partie fermée pour qu'elle part. Là, elle va partir. Et là, tu t'accroches bien. Tu t'accroches bien. Et c'est quand tu veux, ok? Allez, là, t'as sauté une tour. Allez, deuxième tour. Ok. Vas-y, prends le cap vers l'atterrissage. Maintenant, on fait cap vers l'atterrissage à la sortie. Ok, allez, c'est parti, on referme. Cette fois-ci, tu gardes cette fermeture, tu la lâches pas, tu regardes autour de toi. Allez, c'est quand tu es prêt. Vers le bas, super. Et accroche-toi bien, ne la lâche pas. Ok, et c'est quand tu veux vers l'atterrissage. Allez, boum. Ok, on ouvre la voile et on vient vers l'atterrissage. Là, t'es parti dans la falaise de Chartreuse, parce que t'étais à 180 degrés, Philippe. Tu aimes bien le tangage, tu peux faire 3 tangages tempo. Super, tu regardes bien devant. Ok, attends qu'elle part derrière. Là, tu vois, t'as freiné un petit peu trop tôt. Attends que tu sens qu'elle part derrière et progressif. Ok, allez, encore un. Progressif. Là, on arrête. Je te laisse faire ton approche. Tu vois, tu freines trop. Et du coup, tu casses toute la glissade de la voile. Et c'est parti quand tu veux. On quitte le frein, l'autre main bien haute au niveau de poulie. Et on ferme dynamique et on s'accroche. Allez. J'ai chuté, je...
secoue un peu la fermeture pour qu'ensuite on s'accroche à elle. Encore. Et là, on s'accroche bien au maillot. On est dedans et c'est quand tu veux, ok? On regarde autour. Super, là, c'est un tour. Ok, on ouvre la voile. On reprend le cap. Comme ça, t'as vu, t'es à 180 degrés. Ça veut dire qu'en fait, quand tu contres trop progressif. Parce que peut-être tu contres bien. Au bon moment, mais trop mou. Ok, vas-y, on a le temps de se faire encore une. La même, on va essayer de sortir sur le même cap. Ça veut dire celui-là que tu as maintenant. Bien en bas. Plus bas. Encore, secoue un peu. Et là, maintenant, on s'accroche. Et là, on est en autoroute. C'est quand tu veux. Allez, pouf, fort. La tournée et mets-toi. Ok, très bien. Juste comme ça, je t'évalue un peu. Doucement, Mao. Ok, je pense que tu as pas l'habitude de faire comme ça. Parce que là, tu as mis ouvrir la voie. Doucement. Et on vient vers l'atterrissage. On sort vers l'atterrissage, ok. Je sais, t'as pas trop d'expérience sur ce petit. Enfléchis les jambes. On laisse la voile tourner plus. Là on est dedans et maintenant on contre à la sellette. Vas-y, on se met à fond à gauche. Et t'as vu, c'est super ça. T'es efficace. Voilà, on se remet face à la carrière, face au petit port. Et c'est parti pour 3-6 sorties chandelles. Ok, on ne va contrer que à la sellette pour l'instant pour être tout mou, tout doux. Allez, vas-y. C'est parti. Progressivement. Là, je peux descendre, plus, je contre la sellette fort, et tout de suite, devant, je regarde à droite, droite, tire à droite, main haut, et devant, combo. Super, allez, c'est parti, on refait à nouveau. C'est bien le contre, je veux plus de compensation pendant la ressource, allez, on contre, contre la sellette, et maintenant à droite, droite. Et à nouveau, c'est parti, on enchaîne, toujours sur la droite parce que tu aimes bien la droite. Et là, on contre la faute, on regarde l'horizon, et maintenant à droite, main droite, plus, main haut, attends devant, tempo. Très bien, tu vois, il manque un peu de conduite pour que la voile reste derrière. Vas-y, on y va à gauche aussi, très bien. On enchaîne, et boum, on contre la faute, et tout de suite on revient en autre, on regarde l'horizon, et descend à main gauche plus, main haut, tempo, et lâche. En fait, tu descends pas trop cette main, il faut vraiment que tu regardes l'horizon, et que tu... Vas-y, on contre. Regarde l'horizon et à gauche, descends ta main gauche, plus main haut. Maintenant, popo, et lâche tout. Et on arrête. Viens vers l'atterrissage.